par ce défilé. Cool. C'est ton premier défilé? Oh, je sais pas, j'ai dû en faire quand j'étais petite. Mais j'étais jeune. Ouais, mais pas beaucoup en fait. C'est pour ça que ça m'amuse. C'est pour ça que je trouve le côté hyper ludique et vraiment sympathique. Mais tu sais marcher, tu sais tout ça, t'as mais pas... Non, mais moi, c'est... moi j'y vais à l'impro. De faire ce genre de défilé pour galérer. J'aime bien les challenges et les nouvelles expériences, donc j'y suis allé et puis on verra ce que ça fera, quoi. Tu vois, et d'avoir une expérience de podium, je pourrais dire un jour, je l'ai fait. Si vous marchez trop vite, si vous vous retrouvez collé à lui, c'est horrible. Donc mettez-vous en haut des escaliers pour descendre vos marches, pose ton casque, ton petit chou, et je vous attends. Aujourd'hui est très mélangé. On a des gens qui sont au défilé, qui ont fait des choses plus intimes comme la journée de la jupe. Après, on a des jeunes plus nouveaux, plus frais, des petites prometteuses et tout, qu'on adore. On adore leur look, elles sont très mignonnes. Le casting est, franchement, je pense que c'est vraiment des gens qu'on reverra et qu'on reverra souvent dans les années à venir. Et dans Gala. Forcément. En fait, ça devait vachement bien en tout cas. C'est assez rock, c'est très classe. Et, moi, je pense que ça va réveiller un peu les gens dans l'audience qui vont regarder. Du coup, ça peut faire aussi un truc en plus. Le thème s'imposait, le thème de l'été, c'est le jean. Donc on a des jeans d'un peu tout le monde, on a D&G de Dolce Gabbana, on a du Jean-Paul Gaultier, on a du Lanvin, on a du Diesel, on a du Guess, on a un mélange de tout. Et je pense que chaque jeune comédien a trouvé quelque chose qui leur plaît. Il y a deux passages par comédien, donc on aura un festival de jeans, au moins 50 passages de jeans qu'on va voir ce soir ici au Showcase à Paris. On commence la ligne, s'il vous plaît, on se met en place. On y va. C'était génial. Et en plus, on sentait la chaleur du public, ils étaient tous de notre côté, enthousiastes, et ils savaient qu'on n'était pas des mannequins, donc ils étaient bienveillants. Ça, c'était bien. Ça, tu vas l'emmener avec toi, tu vas la mettre tous les jours maintenant. Bien sûr, j'ai demandé à pouvoir la mettre, a priori, il n'y a pas de problème. Non, je rigole, mais elle est vraiment somptueuse, vraiment, je trouve ça très joli. Ça s'est très très bien passé, en fait, c'est un défilé de mode, j'ai le sentiment qu'il ne ressemblait pas à un défilé de mode, et c'était un peu le but, c'était de faire un vrai show, un vrai concert, avec aussi un vrai défilé, mixer un peu comme ça les deux univers, voire les trois, parce que le cinéma, la mode et le rock s'étaient donné rendez-vous donc au Showcase ce soir.
C'est ça, Gala, c'est créer des événements, c'est surprendre, et je pense que ce soir, on a surpris pas mal de monde.